dira si c'est aussi bien qu'il le fait. Barbara, nous deux, on se retrouve ce soir. Ciao. Salut les filles. Ciao. Ciao. En fait, je sais pas si je... Papa, je te l'ai déjà dit des milliards de fois, j'ai compris. Ciao. Des problèmes? Oui, mon père est complètement idiot. Toujours pareil, il ne changera jamais. Bougez pas! On dirait qu'elle a été faite sur mesure, non? Vous achetez toujours le même modèle, toujours des vestes noires. Ouais, c'est vrai, mais j'adore le noir. C'est la 12e. Eh oui. Rex, qu'est-ce que tu en dis? Vous voyez? Si ça lui plaît, alors. Je vais vous la prendre. Mettez-la dans un sac, je l'emporte tout de suite. Très bien. Fais pas cette tête-là, il faut que je lui réponde à Katia. J'aurais déjà dû le faire, mais j'arrête pas de reporter. Ne bouge pas, attends-moi ici. Lorenzo? Salut, Katia. Salut. Bon, maintenant qu'on s'est dit bonjour, on peut parler? Oui. Tu as l'intention de me dire qu'un mot à la fois quand je t'ai au téléphone? Non, non. Là, ça fait deux. Katia... Je voulais te dire pour l'autre soir... Oui? En fait... Excuse-moi, j'ai un double appel, faut que je te laisse. Tiens, mon téléphone aussi se met à sonner. Je te rappelle plus tard, d'accord? Excuse-moi, Katia. Morini, je t'écoute. Qu'est-ce qui s'est passé? Sortez la fille, dépêchez-vous, on va tout brûler! Attends, on peut pas le laisser là-dedans! Oh, il est mort! On n'a pas le choix! Alors bouge-toi! J'ai récupéré les douilles. On sait ce qui s'est passé. Il paraît que votre fille a été enlevée, surtout. Comment ça s'est passé? Ils étaient trois en tout cas. Ils ont commencé à tirer comme des fous. On entendait Barbara crier. Commissaire. J'espère qu'ils ne lui font pas de mal. Il paraît que c'est la fille d'un... Bonjour Lorenzo. Bonjour. J'ai presque terminé. Est-ce qu'on pourra discuter plus tard, quand tu auras fini? Mais oui, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Une jeune fille a été enlevée.
Par ici. Des témoins ? Deux de ses amis que Morigny est en train d'interroger. La jeune fille s'appelle Barbara Loria. Loria, la fille de l'industriel ? Ouais, c'est bien ça. Oh, ils font sûrement demander une. Et lui, qui est-ce ? C'était son chauffeur et je pense qu'il devait également lui servir de garde du corps. Je vois. Il semble que l'un des ravisseurs ait été blessé. Commissaire. Lorenzo ? Lorenzo ? Tu connaissais cet homme ? Il s'appelait Ricardo Muzzi. C'est pas vrai. Avant, il était dans la police. N'avancez pas. À une époque, on bossait ensemble. Oh, je suis désolée. J'espère qu'il avait pas d'enfant, quelle horreur. Quelqu'un a déjà averti sa femme ? Oui. Elle est là avec deux agents. Bon, je crois que j'ai tout. Pour moi, c'est terminé. Lorenzo, tu as besoin de... Non. Non, ce ne sera pas. Laissez, je m'en occupe. Commissaire. Marina. Ça me fait beaucoup de peine, tu sais. Sors de là. Mal. Wow. Traite-la bien. Tiens-toi tranquille. Mario, de ce côté. Avance. Vous faites mal. Quand j'aurai fermé la porte, tu pourras enlever ta cagoule, d'accord? Mais pas avant. D'accord. Giulio. Vénère de cette manière. Parce que tu penses qu'on avait le choix. C'était bien trop risqué de l'emmener avec nous. Mario. Je sais que Giulio était ton ami. On a fait ce qu'on devait faire. Je ne veux pas en parler. Ah ben, on n'en parle pas. Je suis vraiment désolé pour Muzzi. Je tiens à aller moi-même présenter mes condoléances à sa femme. Écoutez, Fabri, je vais être direct. Je ne sais pas si je vais vous laisser mener cette enquête. Vous êtes trop impliqué. Honnêtement, je ne voudrais pas que vous alliez nous créer tout un tas d'ennuis. Non, je ne vous créerai pas d'ennuis. Je veux seulement retrouver la fille de Loria et celui qui a tué Ricardo. Rien de plus. C'était un policier et aussi un ami. Je lui dois bien ça. Et croyez-moi, je ferai tout ce qu'il faudra pour ça. J'ai bien compris. Je vous laisse l'enquête. Voici l'adresse de son père, Pietro Loria. Allez lui parler. Il va falloir procéder au gel de tous ses biens. On a l'autorisation du juge d'instruction. On l'a aussi pour mettre le père sur écoute ? Oui. Bien. Je me mets tout de suite au travail. Ma femme Lucia est morte il y a 2 ans. Depuis quelque temps déjà, nos rapports s'étaient, comment dire, détériorés. Quand Lucia est tombée malade, je n'ai pas été très présent, et ça, Barbara ne me l'a jamais pardonné. Je comprends. Je n'ai plus qu'elle, commissaire. J'ai commis beaucoup de fautes avec Barbara, mais il n'est jamais trop tard pour reconnaître ses propres erreurs. Je veux que ma fille sache qu'aujourd'hui, je suis prêt à tout pour la revoir ici, dans cette maison, et la serrer dans mes bras. Monsieur Loria, nous ferons tout pour que cela se réalise. Monsieur Schiavone vient d'arriver. Faites-le entrer. Je vous en prie. Rodolfo. Pietro, j'ai accouru dès que j'ai eu ton message. Est-ce que tu as des nouvelles ? Non, non, ils ne se sont pas encore manifestés. S'il touche un seul de ses cheveux, je te jure que je... Rodolfo. Je te présente le commissaire Fabri. C'est lui qui est chargé de l'enquête. Bonjour, monsieur. Enchanté, commissaire. Rodolfo Schiavone est mon meilleur ami. Il est aussi le parrain de Barbara.
Excusez-moi, messieurs. Vous pouvez venir, commissaire? Oui, excusez-nous. On a récupéré la vidéo de l'enlèvement. Elle provient de la caméra extérieure d'une banque. Venez voir. Mais elle a pu tout enregistrer? Ouais. Fais-moi voir. Voilà. Pauvre Ricardo, ils l'ont abattu de sang-froid. Attends, attends. L'un des ravisseurs a été blessé. Arrête, arrête, arrête! Reviens en arrière. Va doucement. Ouais. Voilà. Là, voilà. Agrandis cette image, tu veux. Ouais. Ça y est. Comment veux-tu qu'on reconnaisse quoi que ce soit? Fais quelque chose. Je sais, mais je suis pas ingénieur en informatique, hein. Ça y est, j'y suis arrivé. Agrandis encore. Voilà. Morini, trouve-moi son identité. Je vais me mettre immédiatement au travail. Bien. On a une patrouille qui a trouvé une voiture calcinée près du gazomètre. C'est sûrement celle qu'ont utilisée les ravisseurs. Oui, la voiture correspond bien. Autre chose? À l'intérieur de la voiture, les collègues ont découvert les restes d'un cadavre. Ce n'est pas celui de la jeune fille enlevée, c'est celui d'un homme. Très bien, je vais aller voir sur place. Morini, trouve-moi ce type. Et voilà, comme dans un 4 étoiles. J'ai pas envie de manger. C'est moi qui l'ai préparé, de mes mains. C'est un joli prénom que t'as là. Barbara. Qui l'a choisi? C'est maman ou papa? Et en plus, t'es très belle. Si tu veux manger, celle-là. Rex, qu'est-ce que t'as trouvé? J'arrive, je prends mon matériel. D'accord. Alors? Ah. Un mégot de cigarette. Ah, très bien. Voyons ça. Bravo, champion. On pourra certainement y trouver des traces d'ADN. Pas obligatoirement celui des ravisseurs. Si Rex l'a trouvé, ça veut dire que c'est important. Fais-le examiner. J'espère que ça suffira. Je t'écoute, Morini. Ça y est, on a identifié le ravisseur blessé. Je vais téléphoner. Et tu vas où pour ça? Il y a une cabine téléphonique à quelques kilomètres d'ici. Il faut que tu surveilles Ludovico. Il tourne trop autour de la fille. Je m'en occupe. Merci, vieux. Très bien, très bien. Les ravisseurs ont appelé d'une cabine téléphonique. J'ai envoyé sur place deux agents et la police scientifique. Mais pour l'instant, je n'ai rien de nouveau. Bon, récapitulons. Si j'ai bien compris, l'appel des ravisseurs a été reçu sur la ligne privée de Monsieur Loria. Un numéro que peu de personnes connaissent. Ces salopards ont dû forcer ma fille à le leur donner. Ils ont dû penser que celui-ci ne serait pas mis sur écoute. Vous allez autoriser le versement de la rançon? J'attends l'appel du juge d'instruction. C'est lui qui décide. Non, mais vous, vous en pensez quoi? Le juge dira oui. Quand toute cette histoire finira-t-elle? Bientôt, Pietro, tu verras. Dites-moi, monsieur Loria, ont-ils mentionné quelque chose de particulier au téléphone? Ils m'ont demandé 5 millions d'euros en billets de 50 et de 100, et ensuite, ils m'ont donné le numéro d'un autobus dans lequel je devrais monter demain matin avec tout l'argent. Commissaire, ça y est, on a l'enregistrement. Je vais vous le faire écouter. Allons-y. Non, non, attends, s'il te plaît. Oui, allô? Oui. Très bien. Merci. C'était le juge d'instruction. Il accepte le versement et le dispositif. Adieu soit loué. Ah!
Je t'avais dit de ne pas la toucher. Non. Non. Fais pas ça. Hey, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que je vais lui éclater la tête à ce connard. Non. Laisse-le, Achille. Et toi, arrête tes conneries. Non, pas le gilet pare-balles. Monsieur Gori a dit que... Ce catégorie ne m'intéresse pas. Il n'est pas là, donc c'est moi qui décide. Monsieur Lauria, vous êtes prêt? Oui, je le suis. Donne le gilet à Monsieur Lauria. Bon, écoutez-moi bien. Je vais monter dans le bus numéro 23 qui part à 10h16. Vous serez déjà à l'intérieur du bus. Au quatrième arrêt, vous laisserez le sac. Et vous descendrez du bus comme convenu. Moi, je resterai à l'intérieur pour voir qui va venir prendre la rançon. C'est clair? Très clair, commissaire. Bien. Rex, c'est prêt? Oui. Alors, on y va. Le 23. Oui, monsieur. Bon, merci. Il n'y a pas beaucoup de monde. Oh, moi, je ne me suis pas habitué à l'heure. Lauria, laissez le sac. Bien. Bien. Gardez les yeux grands ouverts et soyez extrêmement vigilants. Le bus repart. Parfait, Fabrice, parfait. Ne quittez pas le sac des yeux. Et n'oubliez pas qu'il y a un policier à chaque arrêt. Balducci? Mais vous vous connaissez tous les deux? Oui. Je savais pas qu'il était à vous, ce sac. J'ai trouvé là, alors je l'ai pris. Mais qui est-ce? Qu'est-ce qu'il fait là? Je sais pas ce qu'il fait là, commissaire. C'est un petit voleur de rien du tout. D'accord, allez, embarque-le. Fabri! Qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez arrêté? Non, fausse alerte, patron. C'est pas notre homme. Ils réclament notre aide à corps et à cri, et après ils nous font plus confiance. Mais ils se rendent pas compte qu'avec leurs belles trouvailles, ils ont réduit les possibilités de revoir leur fille vivante? Non, de toute évidence, ils ne s'en rendent pas compte. Je pourrais trouver des excuses à Lauria vu la situation, mais je suis autant exaspéré que vous. Espérons que nos craintes soient infondées et qu'ils libéreront la jeune fille. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, hein? J'espère au moins que Schiavone a vu le visage du ravisseur. Il a laissé un sac rempli de billets dans un bus. Même procédé, mais à l'autre bout de la ville. Faites-moi plaisir. Dites-moi que Schiavone et Lauria feront l'objet d'une enquête. Je vous promets qu'on enquêtera sur eux. Mais après. Pour l'instant, on a une autre priorité. Je sais. Ramener chez elle Barbara. Vivante. Oui. Ils viennent d'arriver, monsieur.
Oui, merci. Faites-les entrer. Et gardez votre calme, d'accord? Ah, mon calme. Je suis toujours calme. Oui. Morini, je t'entends pas. Non, attends. J'entends rien. Viens, arrête. Viens, c'est ça. Allez, va dehors. Morini, attends un instant, je sors. Je vous en prie. Messieurs, bonjour. Monsieur Gori. Allez-y, mettez-vous à l'aise. Dépêche-toi, Morini. Dis-moi tout. Je suis chez Servigny. Dans ses papiers, on a trouvé le reçu d'une transaction bancaire. De quoi s'agit-il? En fait, c'est une autre personne qui a effectué la transaction. C'est la signature d'un certain Francesco Giolitti. Mais d'après plusieurs documents qu'on a trouvés, on voit bien que... C'est lui qui est derrière. Morini, derrière quoi? Bah, derrière tout ça. Francesco Giolitti a loué une ferme il y a 2 semaines. J'ai fait le calcul, Ludovico. 5 millions divisé par 3, ça fait 1,6. Et tu continues à mettre des 6 à l'infini. Ça veut dire que ça peut pas se diviser en 3. Eh non. Ah, ah. Pourquoi? On y est presque, encore quelques minutes. Morini, avertis Gori qu'on a trouvé les cadavres de 2 ravisseurs. L'un d'eux est Mario Servigny, l'autre je l'ignore. Non, aucune trace de la fille. On est arrivé trop tard. Alors ce Francesco Giolitti ne sait rien? Non. Apparemment, son ami Mario lui avait demandé une faveur sans lui expliquer à quoi allait servir la maison. Mais vous y croyez, vous? Si tu as besoin d'un prête-nom, tu prends un type honnête. Et surtout, tu ne vas pas lui raconter tous tes faits et gestes. Ils ont tout organisé dans les moindres détails, alors. Mais ce ne sont pas des professionnels. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Les professionnels ne se battent pas pour le butin. Et surtout, ils ne laissent pas derrière eux des cadavres qui pourraient nous conduire jusqu'à eux. Le fait est que le seul ravisseur qui reste a disparu avec un sac contenant 5 millions d'euros. Belle somme, hein? Ce qui est grave, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il a fait de Barbara Loria. Il l'a peut-être emmenée avec lui. Morini, la vérité, on la saura dans quelques heures. Si Barbara n'est pas relâchée très vite, c'est son cadavre qu'il nous faudra rechercher. Je suis désolé, la craquette est cassée. Allez, viens. Qu'est-ce qui vous arrive, mademoiselle? Je suis Barbara Loria. J'ai été enlevée. Venez avec moi, venez. Ils étaient tous les trois dans l'autre pièce, pas là où moi je me trouvais. Et à un certain moment, j'ai entendu 2 coups de feu assez rapprochés. Et ensuite, la porte de ma pièce s'est ouverte. Celui qui... Enfin, le seul qui restait est entré. Il m'a prise par le bras et il m'a fait sortir de là. Et puis, on est monté en voiture, on a fait plusieurs kilomètres. Je sais pas combien exactement, parce que j'avais la tête recouverte d'une cagoule. À un moment, il m'a dit « descends » et il est reparti. Et lorsque j'ai enfin pu retirer cette cagoule, il faisait déjà nuit.
J'ai pas du tout reconnu le lieu où j'étais. Et est-ce que vous avez réussi à voir le visage de cet homme ? Non, j'ai pas pu le voir. Non. Le seul que j'ai vu, et pendant un instant très bref, c'est le visage d'un des deux autres. Et durant votre captivité, ils vous ont posé des questions particulières ? Je sais pas. Non. Ils étaient très, très bien informés sur votre père. Oui, je sais, ils avaient beaucoup d'informations sur papa et sur Rodolfo. Ils ont trouvé son numéro de portable. Oui, celui-là, ils l'ont trouvé dans mon téléphone. Vous êtes certainement très fatigué, mais c'est très important pour nous d'avoir le plus de détails possible. Ça peut vraiment nous aider. C'est dans les premiers jours qu'on a le plus de chances de trouver, enfin d'arrêter un délinquant en fuite. On va vous laisser y réfléchir. Essayez de vous souvenir d'un maximum de choses. Entendu. En tout cas, je suis à votre disposition. On se revoit demain matin. D'accord. Laissons-les seuls. Allons-y. Bonne nuit. Merci. Bonne nuit. Bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Monsieur. Merci. Bonsoir. Barbara. Oui. Tu vas bien? Oui, papa. Tu sais qu'à plusieurs reprises, j'ai eu peur de ne plus te revoir. Je t'en prie, pardonne-moi de ne pas t'avoir toujours comprise, de ne pas avoir su... Je t'en prie, arrête. La chose la plus importante, c'est que je sois ici. Oui. On va recommencer à zéro, d'accord? Passe une bonne nuit. Je te dérange peut-être? Non, viens, je t'en prie, assieds-toi. Qu'est-ce que tu fais? Je regardais la vidéo de l'enlèvement. On va te mettre cette chemise. Très jolie, la fille. Elle a bon goût. Ce qu'elle porte, pas donné ce genre de vêtements. C'est une suggestion au cas où tu voudrais me faire un petit cadeau. Mais une invitation à dîner me conviendrait aussi. Lorenzo, tu es là avec moi? Excuse-moi, Katia, je peux pas discuter avec toi, je dois filer. Je suis désolé. Viens, Rex, viens avec moi. Tu peux réserver une table au restaurant par téléphone, c'est pas la peine de te déplacer. Mais ça, je le sais. Je ne cherche pas à fuir, Katia. Tu m'as fait remarquer une chose. Importante? Bon, je préfère. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux qu'on se voit ce soir à 9h? Ciao. Bonjour Barbara, comment ça va? Mieux, je vous remercie. Votre père m'a dit que je vous trouverai ici. Oui. Chez mon père, il y a plein de journalistes. Ici, c'est mon refuge. J'y venais quand j'étais petite avec ma mère. Rex! Excusez-moi, il est un peu envahissant. Rex! Quelle est la raison de votre visite? On a découvert que les ravisseurs avaient un autre complice. Ah, un complice? Oui. Et c'est grâce à ce complice qu'ils ont organisé l'enlèvement. Ils savaient presque tout. Sauf que ce matin-là, votre chauffeur avait une arme sur lui. Ce qui n'était pas le cas d'habitude. En effet. Et qui est cet autre complice? C'est vous. Moi?
Je pense que Rex a trouvé quelque chose. Non, commissaire, vous n'avez pas le droit de faire ça. T'as trouvé quoi? Commissaire, vous n'avez pas le droit de fouiller dans mes affaires. Ah bon? Posez ça immédiatement, comment? Ça, c'est quoi? Je crois que vous me devez quelques explications. Moi, je peux te les donner si tu veux. Dis-lui de se coucher, sinon je le descends. Rex, tiens-toi tranquille. File-moi ton flingue. Prends-le avec deux doigts. Princesse, prends-le. Salopard de chien. Prends-lui son portable et éteins-le. S'il cherche à faire le malin, tu tires. Dites-moi pourquoi. Pour vivre une nouvelle vie avec celui que j'aime plus que tout. Et pour me venger de mon père. Parce que j'espère bien que ce misérable souffrira autant, sinon plus que ma pauvre mère. Qui est d'abord tombée malade et qui ensuite est morte parce qu'il couchait avec une autre. Quand votre père a cru que vous aviez été enlevée, il était réellement très peiné. Non, commissaire, non. Il ne l'était pas pour moi. Il était pour son compte en banque, sa position sociale. Il n'y a que le fric et le pouvoir qui l'intéressent, que le fric et le pouvoir. Comment êtes-vous arrivé à moi? La caméra de surveillance d'une banque a enregistré tout l'enlèvement. Quand ils vous ont fait monter dans la voiture, vous portiez un chemisier blanc. Quand vous êtes réapparu, vous portiez autre chose. Ouais, et alors, qu'est-ce que ça prouve? Ce que vous portiez le jour où vous êtes arrivé au commissariat coûte très cher, un peu plus de 400 euros. Je peux pas croire que des ravisseurs soient entrés dans une boutique pour vous l'acheter. Alors? Il court vite, hein? On va sortir tous les deux et tu vas trouver le moyen de faire revenir le chien avec l'argent. T'as essayé de siffler? Tu sais que t'es marrant, toi. Allez, va t'habiller, s'il te plaît. Notre ami et moi, on va aller prendre l'air. Lève-toi! Allons-y, alors. Avance! Appelle ton chien. C'est ça, tu peux toujours espérer. Appelle ton chien! Non. Bon, d'accord. Rex! Rex! Viens ici! Rex! Non, reste où tu es! Je vais te tuer! Je vais te tuer ton mec si tu viens pas tout de suite! Eh bien, arrête. Allez, lève-toi. Si toi ou ton chien vous tentez quelque chose, je vous tue. Et c'est quoi le programme maintenant? Vous enfermez quelque part. Barbara et moi, on fout le camp. J'ai rien contre toi, mais j'ai besoin de temps. Allez, avance. Tu as récupéré l'argent, c'est super, mon amour. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a pris mon arme, ce sale chien. Je pense qu'il y en a une dans le coffre-fort de mon père. Donne-moi celle-ci et va chercher l'autre. Arrêtez-vous!
collègues vont arriver, vous n'avez aucune chance. Rendez-vous. Il faut le tuer. Ouais. Sinon, il ne nous laissera jamais partir. Attends-moi ici. C'est bien, Rex. Bravo. Mets-toi à genoux. Les mains derrière la tête. Rex, tu le surveilles. Je n'ai pas le choix. C'est faux, dans la vie on a toujours le choix. Non, pas cette fois. Champion. Say problems, I look in your eyes. Relax and know that I'm on your side. Villains and thieves, they better beware. Into the plans, I'll throw a big scare. Play in the snakes! Play in the snakes! My name is Rex.